Valérie Bernard, vous êtes donc présidente de l'Office. Vous êtes aujourd'hui à l'ASM Omnisport pour signer un partenariat avec la section Lutte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce partenariat? Alors, l'Office, sur ce projet avec la section Lutte de l'ASM Omnisport, parce qu'elle a été intéressée par le fait de travailler sur un projet éducatif qui s'adresse notamment aux enfants et aux jeunes. C'est cet aspect éducatif-là qui nous a intéressés. Le fait d'être un peu, d'aller plus loin dans nos fonctions de bailleur, d'aller vers des actions beaucoup plus sociales auprès de nos locataires et auprès des jeunes des quartiers, ce qui est une de nos priorités. Nous développons déjà des activités, des relations partenariales avec des acteurs du quartier, associatifs, notamment dans le domaine culturel. Et c'était l'opportunité là de développer des choses dans le sport, parce que ce sont des valeurs qui sont importantes, qui peuvent permettre de valoriser les parcours d'enfants et de jeunes, de valoriser leur personnalité, leur capacité, et de faire en sorte que ce soit des citoyens de la cité. D'accord. Alors, dans ce cadre-là, il y a une première action qui a lieu le 15 juin. Est-ce que vous pouvez nous en dire trois mots? Alors, les opportunités se sont rencontrées. Il se trouve que maintenant démarre la semaine la semaine des HLM, et que la première opération que l'on va mettre en place, la première action significative, sera donc d'amener une activité lutte, une animation lutte en pied d'immeuble sur le quartier de Champratel, avec donc des enfants, et d'ouvrir cette activité aux volontaires, aux enfants et aux jeunes volontaires de ce quartier, qui est un quartier donc sur lequel nous avons un patrimoine, des locataires, et le bien vivre ensemble sur le quartier de Champratel, c'est aussi un de nos souhaits. Voilà. Merci beaucoup. Merci.